Shalom, peuple de Dieu, nous voulons commencer notre message et nous allons fermer nos yeux pour remercier notre temps de Père Céleste. Merci Papa Céleste pour ce temps béni que tu as rendu disponible. Oui, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Le Saint-Esprit, enseignant par excellence, prend ce temps, manifeste-toi puissamment du début à la fin. Le tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ notre Rédempteur. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous voulons parler de ce thème, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Notre texte de base, c'est dans Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Luc chapitre 19, versets 1 à 10, nous allons lire rapidement. Dans le contexte, on nous parle de la conversion de Zachée. Nous savons... Zachée, ce fut un homme riche, un homme riche plutôt. Mais cet homme avait besoin du Seigneur. Donc, Luc 19, 1 à 10, je vais lire au nom de Jésus. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est là que nous avons tiré notre thème, le verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et je fais tort. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. De verset 10, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Là, nous voyons, on nous parle de la conversion de Zachée. Zachée était un homme qui était riche, mais cet homme n'avait pas le Seigneur dans sa vie. Ça peut être ton cas aussi, tu es riche, tu as presque tout, mais il te manque une chose, la vie éternelle. Il te manque une chose, le salut. Ce n'est pas avoir l'argent ou avoir les voitures ou avoir des villas qui fait de toi une personne importante. Ce qui fait de toi une personne importante, c'est d'avoir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est-à-dire, c'est convertir, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là, dans le verset 1, la Bible nous dit, Jésus étant entré dans Jéricho. Jéricho veut dire une ville maudite. Jéricho qui veut dire le monde. Un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Voilà cet homme qui était riche, qui était un publicain. Son vœu était de voir qui était Jésus. Pas seulement de voir qui était Jésus, mais de faire une rencontre extraordinaire avec Jésus. Il voulait changer sa vie, parce que sa vie n'était pas une bonne vie. Il était riche, mais c'était une mauvaise richesse. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre en aucun chagrin. Amen. Toutes les autres bénédictions que nous pouvons recevoir de ce monde, ça ne te donnera pas la joie. Tu auras beaucoup de chagrin sur ça. Et nous voyons cet homme a tout fait de rencontrer Jésus. Le verset 3 nous dit, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Amen. La foule l'empêchait de rencontrer le Seigneur. La foule, c'est quoi? La foule, c'est tout ce qui nous entoure. La foule, c'est sans les amis. La foule, c'est sans les parents. La foule, c'est sans nos proches qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans le monde, qui sont dans le péché, qui marchent dans la voie du diable. C'est ça la foule qui doit nous empêcher de ne pas rencontrer Jésus. Il te dira, mais pourquoi aller à l'église?
ça ne sert à rien. Dieu n'existe pas. D'abord, tu es beau. D'abord, tu es belle. Tu as l'argent. Tu as tout. Tu as la célébrité. Tu n'as pas besoin de Jésus. C'est ça la foule qui doit t'empêcher. Et lui, cet homme-là, Zachée, la foule aussi l'avait empêché de ne pas rencontrer Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Son problème était aussi la taille aussi. Donc c'était un homme trapu, c'était un homme vraiment, je peux dire, nain. Mais malgré sa forme physique, ce n'est pas ça qui pouvait l'empêcher à rencontrer Jésus. Amen. Vouloir, c'est pouvoir. Quand tu veux, tu peux. Quand tu peux, tu veux. Donc, si tu veux changer ta vie peut changer en un clin d'œil. Si tu as cette volonté, tout est possible. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Luc 1, 37 nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cet homme avait cru Zachée, il était court de taille. La foule l'empêchait à voir Dieu, mais ces obstacles-là ne lui a pas empêché de rencontrer Dieu. Dans le verset 4, il est écrit, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Il était décidé, il a dit, je suis court, donc je ne pourrai pas voir le Seigneur. Et il y a la foule aussi qui m'empêche, je dois me déplacer, monter dans un arbre pour rencontrer le Seigneur. Et le verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux. Jésus et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Amen. Le Seigneur l'appelait par son nom. Le Seigneur connaît ton nom. Le Seigneur connaît même les mèches de tes cheveux. Il compte même les mèches de tes cheveux. Peut-être tu crois que le Seigneur ne te connaît pas. Le Seigneur connaît tout le monde. Celui qui est notre maître, il est notre créateur. Quand Zachée était sur le sycomore, sur un arbre, le Seigneur, quand il est arrivé, il l'appelait par son nom. Le Seigneur, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et la maison que nous parlons, c'est notre corps. La Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas une maison physique que le Seigneur voulait rester, mais c'était notre corps, notre cœur. C'est là où le Seigneur voulait habiter. Et le verset 6, Zachée se hâta de descendre et reçut avec joie. Alors nous voyons ici cet homme-là, Zachée, il avait fait une rencontre avec son Seigneur. Est-ce que toi, tu as déjà rencontré ton Seigneur? Peu importe ton rang social, peu importe ton influence, tu peux être inspecteur de douane, tu peux être ministre, tu peux être président de la République, tu peux être un grand commerçant, tu peux être un PDG d'entreprise. Ça, ce sont des titres inutiles, ça, c'est rien. Avec Jésus, c'est la majorité. Quand tu as Jésus, tu as la majorité. Quand tu as Jésus, tu as la victoire. Quand tu as Jésus, tu fais beaucoup de choses. Ne marche pas seul. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Il faut être avec Dieu. Zachée, il marchait seul. Il n'avait pas Dieu, mais il avait l'argent, il avait les honneurs, il avait tout, mais il n'était pas content. Il avait tout fait de rencontrer le Seigneur. Et il avait rencontré le Seigneur. Le salut était rentré dans sa vie. Le verset 9, la Bible nous dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Le salut était rentré parce que Zachée avait ouvert son cœur. Tu dois ouvrir aussi ton cœur pour le Seigneur. Tu dois laisser Jésus vivre dans ton cœur. Tu dois confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, si de ta bouche tu confesses le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu dois confesser Jésus de rentrer dans ta vie. Jésus, il est la lumière du monde. Quand Jésus rentre dans ta vie, il t'éclaire. Il enlève tous les ténèbres. Il enlève Satan, les démons, tout ce qui bloquait ta vie. Et tu auras la joie parfaite, tu auras la paix, car c'est Dieu qui donne la paix. Dieu, c'est lui, Jéhovah Shalom, c'est Jésus le prince de la paix. Quand tu as Jésus, ta vie doit changer. Ton célibat doit finir, tes blocages doivent finir, tes maladies doivent partir.
Tout ce qui bloquait ta vie, tu auras la solution, tu auras la satisfaction. Parce que c'est lui qui est Jéhovah Yaniv, le Dieu des miracles. Zachée avait fait rencontre avec Jésus. Il s'était converti. Jésus l'avait reçu. Dans Acte 4, 12, là, on nous parle du salut. Acte 4, 12, on nous parle du salut. Zachée avait tout fait de rencontrer le Seigneur. Mais non, le Zachée actuel, c'est toi, mon frère. C'est toi, ma sœur. Ne continue pas à demeurer dans la sorcellerie. Tu es toujours dans la sorcellerie. Tu es dans l'occultisme. Tu es dans les vols. Tu es dans le banditisme. Non, le Seigneur a besoin de toi. Zachée était un homme voleur aussi. Il volait. Il volait, il était percepteur des impôts, il volait. Mais quand il a rencontré le Seigneur, il a dit au Seigneur, tout ce que j'ai pris aux gens, je dois leur rendre au quadruple. Tout ce qu'il avait volé, il avait changé d'avis. De vie, tu dois changer aussi ta vie aussi. Il n'est pas trop tard, le Seigneur, il est là pour toi. Actes chapitre 4, le verset 12, la Bible nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre. Une autre personne ne peut pas te donner le salut. Aucun chef religieux ne peut te donner le salut. Aucun chef coutumier ne peut te donner le salut. Aucun magicien ne peut te donner le salut, mais le salut ne s'obtient qu'à une seule personne, c'est le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Nous sommes sauvés seulement par le nom de Jésus. Zachée avait compris cela. Il n'est pas parti chercher le salut ailleurs. Il n'est pas parti chez Satan. Satan ne sauve pas, au contraire, il tue. Mais il est parti auprès du roi des rois, auprès du Seigneur, Seigneur, pour chercher le salut. Et le Seigneur l'avait reçu. Oui, c'est Jésus-Christ qui donne le salut. C'est à Jésus-Christ que tu dois aller pour recevoir ton salut. Alors nous allons prendre notre dernière référence pour clore notre message, Actes chapitre 3, verset 20. Actes chapitre 3, verset 20, il est écrit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Nous voyons ici, c'est le Seigneur Jésus qui dit, « Il se tient à la porte de ton cœur. » Il est en train de frapper. Il veut que tu puisses ouvrir. Si tu ouvres, il doit rentrer et il doit manger ensemble avec toi. Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Alors nous allons fermer nos yeux. Merci Papa Céleste, nous avons écouté ta parole. Oui, nous voulons être Zachée pour ce temps. Nous voulons vraiment confier nos vies à toi Seigneur. Nous voulons changer nos vies. Nous voulons laisser la fraude. Nous voulons laisser tout ce qui est le péché. Nous voulons t'appartenir. Nous voulons te servir, Seigneur. Prends notre vie, Seigneur. Oui, rentre dans notre vie. Conduis notre vie. Éclaire-nous, Seigneur. Sois notre maître et Seigneur. Sois loué, sois glorifié de l'éternité à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vous êtes le meilleur de Dieu. Merci.
ngobe yawe anisa yawe zaya motote u na komi ko comprendre mon. Waouh, c'est super. Floro musical. Ah oui, ça c'est bon, c'est super. Floro musical est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Flairon Musica, une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. A tout à l'heure. Zamba lolo muti masali ke ba jalou ba sala ouais bazwa zéro TV, une chaîne pour édifier. Happy Box TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV dans la rubrique religion au numéro 358. Achetez les décodeurs Happy Box TV sur www.happyboxtv ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, et présente dans les bouquets Happy Box TV et Orao Télécom. 100€ pour l'achat du décodeur et 12€ seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. N'étardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV. Du nouveau dans la ville de Bandundu, le majestique hôtel Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province de Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement majestique hôtel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au majestique hôtel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le majestique hôtel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hotel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hotel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Baningville, Benkwen, Benukwen na Bwalaku Talababuti. Pour vos réservations, faites-les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Mutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous.
Pactol TV, qui se veut être la vitrine de la louange, vous propose Gospel View. Gospel View, c'est l'émission qui valorise vos vues du net. Titre du moment, les clips les plus suivis, Gospel View vous dira tout. Gospel View avec Précis Zonzolo, dans l'idée d'infuser une saine émulation chez les artistes chrétiens. Dans cette émission, nous vous donnerons les news des hits qui cartonnent partout sur les réseaux sociaux. Gospel View vous informera aussi sur les nouveautés du net. Alors soyez connectés pour découvrir ces tubes. Gospel View, c'est sûr. Pactol TV. La chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence.